Beaucoup de personnages ou d'événements historiques sont perçus de manière assez caricaturale, mais ce n'est pas du tout le cas de notre sujet. Ils sont apparus d'un coup, sans crier gare. Ils ont semé la mort et le chaos. Les peuples germaniques ont fui devant leur fureur, déclenchant le début des invasions barbares. Ils ont conquis par la force un immense territoire en seulement quelques décennies. Ils ont fait vaciller le puissant empire romain et ont initié la chute de Rome. Ce sont des cavaliers nomades, courageux et terrifiants, tirant à l'arc comme personne, menés par un chef valeureux, redoutable. Là où ils passent, l'herbe ne repousse pas. Le fléau de Dieu, Attila. Ce sont des diables. Ce sont des dieux. Ce sont des clichés. Si vous deviez dire ce que vous inspire les Huns en un seul mot, il y a de fortes chances pour qu'on tourne autour de barbares, destruction, enfin si vous êtes de culture ouest européenne. Posez la même question en Hongrie par exemple, et les mots seraient plutôt conquérant, puissance ou même grandeur. Même leur origine exacte et leur apparence physique sont perçues différemment selon les cultures. Comment les mêmes personnages de l'histoire, connus pour les mêmes faits historiques, peuvent-ils avoir des perceptions différentes selon les pays? Et quand sur le net quelqu'un pose la question, à savoir qui sont les descendants des Huns aujourd'hui, alors là ça devient carrément n'importe quoi. Suédois, hongrois, slovaques, ukrainiens, russes, les bulgares et les tchouvaches, c'est pas sûr mais quand même les mongols, les chinois mais en partie, les anglais, les coréens, un peu les hongrois aussi, non plutôt les bulgares, les turcs, les pachtounes d'Afghanistan, les goudjars de l'Inde, les peuples d'Asie centrale. D'où la grande question, qui étaient vraiment les Huns? Au cours de leur passage dans l'histoire, les Huns n'ont laissé de marque écrite qu'au travers d'autres peuples qui les ont affrontés. Les textes qui parlent d'eux sont donc tous d'un regard extérieur pas franchement bienveillant. C'est là toute la difficulté. Même s'ils ne maîtrisaient pas l'écriture et que les documents de leurs contemporains sont très maigres, les nombreuses découvertes archéologiques récentes ont permis d'éclaircir pas mal de points au sujet des Huns. En revanche, le lieu et surtout la date de leur véritable apparition restent vagues. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont originaires d'Asie centrale, et qu'ils émergent probablement autour du 2e siècle. Oui, tout ça c'est assez flou. Selon l'une des plus anciennes hypothèses, qui semble d'ailleurs être confirmée par l'archéologie comparée et la génétique, leur première empreinte serait à rapprocher de celle des Xiongnu, un peuple nomade des steppes entré en contact avec la Chine à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les vestiges qu'ils ont laissés montrent des ressemblances certaines avec les Huns, sans pour autant qu'on puisse parler de similitude totale. C'est pourquoi on peut les considérer comme des proto-Huns, mais pas comme des Huns à proprement parler. Alors désolé, mais la présence des Huns dans le Mulan de Disney n'est pas historiquement correcte. D'autant plus que la légende se rapporte probablement à une époque plus tardive, donc deux fois non. Attaquons l'exercice pour défaire les sons. C'est l'occasion pour nous d'aborder le point de vue chinois. Pour les Xiongnu, et d'une manière générale tous les autres peuples voisins du nord et de l'ouest, les textes parlent d'eux comme de barbares primitifs. En Chine ancienne, la conception des frontières et de ceux qui se trouvent derrière évolue avec le temps. D'abord apparaissant comme lointaine et vague, la frontière devient la séparation entre le monde civilisé et travailleur chinois et un désert hostile tant par son climat que par ses habitants, des barbares primaires, nomades, qui pillent les villes frontières. Cette vision dénote tout de même d'un point de vue plutôt ethnocentré. Les Xiongnu en sont à l'origine. Pendant longtemps se succèdent des périodes où tantôt les empereurs de Chine leur offrent un tribut annuel, tantôt ils leur font la guerre. C'est pour contrer leurs incursions qu'ils feront élever une succession de remparts le long de la frontière nord, qui avec le temps deviendra immense et célèbre. Oui, la grande muraille de Chine est née à cause des Xiongnu. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, ils sont largement étendus en Asie centrale et deviennent des partenaires commerciaux, même diplomatiques avec la Chine. Des traités sont signés, des ambassadeurs envoyés, jusqu'à des alliances matrimoniales. Aucun autre voisin de l'époque ne reçoit autant d'égards. Et pourtant, les textes parlent d'eux comme des vassaux de l'Empire n'ayant aucune structure étatique. Toujours désignés comme barbares, on parle même de bêtes sauvages. Ils sont perçus comme une menace sérieuse pour l'Empire chinois. Et pour cause, ils ont englobé sous leur influence plusieurs peuples de cultures diverses, et leurs forces sont très nombreuses. C'est le premier véritable empire des steppes. Avec le temps, cette relation ambivalente de partenariat méfiant se poursuit, non sans accrochage.
Mais en y regardant bien, les heurts entre les nomades et l'Empire du Milieu semblent plutôt dus à l'expansionnisme chinois qu'à la volonté réelle des Xiongnu de menacer l'Empire. Enfin, toujours d'après les auteurs chinois, au 1er siècle de notre ère, les Xiongnu, affaiblis et divisés, s'éteignent, d'une part frappés par des catastrophes naturelles et des conflits internes, et d'autre part absorbés par la Chine par rayonnement culturel. Là encore, c'est paradoxal, car les vestiges montrent un summum de leur richesse à cette période. Quoi qu'il en soit, leur culture finit par s'évaporer, même si on en retrouvera des éléments chez leurs successeurs, les Huns. J'ai dit successeurs, pas descendants. Il y a une parenté, mais pas une filiation directe. Ils sont plutôt du genre proche-cousin. Ouais, ça se complique encore. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, les descriptions des différents peuples bordant la Chine à l'ouest, faites par l'explorateur Zhang Xian, montrent aussi plusieurs points communs. Les Xiongnu ne sont pas les seuls à partager des ressemblances. Il y a les Saka, les Wusun, ou encore les Yueji. Ces derniers sont décrits comme un peuple d'agriculteurs semi-nomades qui ont dominé d'autres tribus de la région grâce à leurs archers à cheval avant d'être eux-mêmes battus puis déplacés vers le sud-ouest par les Xiongnu. Leur déplacement entraîne d'ailleurs un effet boule de neige, d'autres groupes nomades se mettent en mouvement, causant la perte du royaume gréco-bactrien fondé 200 ans plus tôt dans les pas d'Alexandre le Grand. Tiens, des nomades qui déplacent d'autres nomades, ce qui entraîne la chute d'un état historique, ça me rappelle quelque chose. En fonction de leur langue supposée, ces différents peuples sont qualifiés de tokariens, proto-mongols, proto-turcs ou proto-iraniens de manière débattue. Certaines de leurs caractéristiques peuvent aussi se retrouver chez les Huns, et c'est ce qui rend la question de leur origine si compliquée. En tout cas, il y a une idée reçue à détruire tout de suite, la morphologie qu'on leur attribue habituellement. Selon les points de vue, on imagine généralement les Huns soit de type asiatique... Alors désolé, on peut pas payer. Soit de type européen. La vérité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Allez, pour faire court, disons qu'environ 25% seulement des restes de Huns retrouvés en Europe étaient de type dit mongoloïde. Et vu que les analyses sur les autres peuples des steppes de tout temps ont aussi montré un fort métissage et une influence asiatique modérée, on peut dire que le brassage ethnique était une constante chez eux. D'après des analyses comparées, ces peuples nomades d'Asie centrale partagent des liens entre eux, mais sans lien vraiment direct. Huns, Xiongnu, Yueji, Wusun et autres Ruran se caractérisent par une grande diversité génétique. Les variations qui apparaissent entre eux concernent plutôt une plus ou moins grande influence est-asiatique qu'une profonde différenciation. Bref, il y a des parentés entre eux, mais aucune filiation directe. Et malgré des marqueurs génétiques asiatiques identifiés, ces peuples sont aussi liés aux Sarmates, en partie, ainsi qu'aux Scythes, bien connus des historiens grecs. Autrement dit, des peuples de type dit européen. Ce sont donc des agrégats de peuples d'ethnies variées, des incroyables melting pots antiques très hétéroclites. L'intégration d'autres groupes humains explique la variété culturelle qu'on peut trouver chez les Huns selon le moment de leur histoire. Des peuples qu'ils dominaient pouvaient tout de même les influencer de façon significative. Clairement, ces alliances ou assimilations de gré ou de force avec d'autres groupes ethniques et culturels sont une pratique qui se retrouvera tout au long de l'histoire des Huns, c'est même leur principale caractéristique. Au-delà de l'aspect purement physique ou génétique, ces peuples des steppes partagent une base culturelle et une structure sociale proche, une interdépendance entre les tribus guerrières d'un côté, dont les pillages et les rançons fournissent des biens matériels à l'ensemble, et de l'autre, les tribus semi-nomades d'agriculteurs qui fournissent les ressources régulières indispensables et des soldats. La hiérarchie sociale est liée à ces rôles, avec les chefs guerriers à la tête et différents groupes répartis sous leur autorité, une société militaire. On peut même y voir une sorte de proto-vassalisation, à tel point que certains spécialistes supposent que les Huns sont à l'origine du fondement de la féodalité en Europe. En effet, voyons le détail de la structure politique des Xiongnu selon l'historien chinois Sima Qian. L'autorité suprême revient au Shan Yu, le chef militaire souverain. Oui, c'est pour ça que le méchant dans Mulan de Disney s'appelle Shan Yu. Ce qui est idiot, c'est comme si notre président s'appelait président. Le Shan Yu nomme des officiers répartis en deux branches géographiques d'égale importance, selon une hiérarchie stricte mêlant pouvoir administratif, civil et militaire. Ces postes sont héréditaires et ces cadres semblent disposer d'une certaine autonomie. Les civils constituent une réserve de troupes puisque leur mode de vie de chasseurs-éleveurs nomades leur permet de maîtriser la pratique de la cavalerie armée, le célèbre point fort des peuples des steppes de toutes époques confondues. Toutefois, si l'organisation des Huns semble identique à celle-ci sous Attila,
Avant son règne, leur unité n'est pas évidente. Il s'agissait plutôt de différents clans, parfois rivaux. Pour l'aspect culturel, les vestiges archéologiques chez les différents peuples antiques d'Asie centrale qu'on a cités depuis les sites montrent une violence répandue, habituelle, sociétale. Les quantités importantes de squelettes présentant des marques de scalp, décapitation ou autre égorgement n'ont pas seulement une origine guerrière mais également rituelle. Cette partie de la conception des Huns comme guerriers et violents n'est donc probablement pas usurpée. Il faut souligner aussi que le rôle des femmes était globalement plus important dans les sociétés des steppes que chez leurs voisins contemporains. Il n'est pas rare de trouver des tombes de femmes guerrières apparentées aux Huns ou aux Sarmates, ou aux Scythes en général. Pour ces derniers, cette spécificité a été rapportée dans certains récits et c'est très certainement de là que se tire l'origine du mythe des Amazones. Pour résumer sur leur origine, on peut juste dire que les Huns viennent d'Asie centrale et qu'ils sont un mélange de peuples d'ethnies diverses, rassemblés par l'autorité d'une classe dominante, légitimée par ses capacités guerrières, tout comme c'était le cas pour de nombreux autres peuples du même coin, plus anciens, avec qui ils partagent une parenté génétique et culturelle, sans pour autant pouvoir parler de filiation directe. Et bientôt, leur soif d'expansion va les pousser jusqu'en Europe, où justement se trouve une autre civilisation conquérante et assimilatrice. En attendant la suite, si le sujet vous intéresse, je vous conseille cette chouette coopération des chaînes L'Histoire trouve toujours un chemin et Sur le champ, qui traite du personnage d'Attila dans la série Camelot et des Huns en général. Il y a aussi le documentaire de 2020 sorti pour France 5 que j'ai déjà évoqué. Bon, certains points que je vais soulever par la suite sont évoqués dans ces vidéos. Il se trouve que j'ai mis plus de 3 ans à écrire ces épisodes entre les recherches, les autres vidéos, l'écriture, le montage. Oui, 3 ans. Oui, mais je fais ça sur mon temps libre, ok? J'ai pas le temps de plaisanter. Vous n'êtes qu'une bande de sang de loup. Vous ne serez jamais président.